Nous sommes nous réunir là matin, hein, ou bien une petite tension devant le ministère intérieur. C'est juste pour nous demander, nous-mêmes vice-délégués, pour nous demander justice pour le président Jovenel. Et ensuite, pour nous dire non à la forme de traitement que nous avons au niveau gouvernement. Et nous dit l'État pas deux, l'État c'est un seul. Nous-mêmes, tout, nous c'est l'État dans la communauté. Nous c'est l'État en dedans pays. Mais la forme de traitement, ça, nous ne pouvons pas vraiment accepter. Nous-mêmes dans la communauté, pas nous, nous sentons que nous frustrons en pile par rapport à la forme de comportement que le gouvernement actuel a affiché surtout vis-à-vis à nous-mêmes, que nous n'avons jamais été capables de rencontrer avec eux. Nous-mêmes au niveau de délégation, nous avons à peu près 30 mois depuis que l'État par exemple, dit nous comment pour nous faire avec l'emploi. Nous. Ok? Magistrat a eu plus de 20 mois depuis que nous n'avons jamais dit rien. Ministre monté, ministre descend, c'est comme si c'est ministre qui est différent par rapport à l'État. Et c'est même ministre, c'est même travail là où il vient faire. Avec Jounel Jodia, ministre qui est monté, nous avons rencontré une seule fois. Même si je n'ai jamais ouvert la porte encore pour permettre à ce que nous rencontrions le côté de l'Éos. Et tandis que nous avons fait des routes qui dit que c'est avec la collectivité qui vient travailler. Et nous avons gardé Jounel Jodia, mais nous avons quitté la collectivité à derrière, nous avons pris devant, c'est avec les amis de préférence, il a fonctionné. Venir dans le ministère là, nous-mêmes qui sommes supposés venir. La population a supposé porter de l'éance. Nous, je ne veux pas le regarder, c'est nous-mêmes représentants de l'État, représentants de l'exécutif. C'est nous qui là qui avons porté de l'éance, mais qu'on a porté de l'éance. Qui est-ce qui a recevoir? Directeur général pas là, ministre pas là. Et l'un vient là avec qui est-ce pour nous parler? C'est avec vous. C'est pas eux pour nous porter de l'éance. Ouais? Ça fait que je ne veux pas nous dire que nous avons bataille, nous avons bataille, nous avons mené jusqu'à ce que nous avons. Si tu as parlé ensemble avec nous, nous avons bataille sans relâche pour que nous avons dit exactement qui c'est Abdine. L'école pour l'ouvrir, parents en difficulté. Alors, vous regardez vous-même en tant que représentant, en tant qu'autorité, okay? Pour mon avis, même un petit livre pour pas accompagner pour l'acheter. Tandis que c'est walou en tant que l'État pour faire service dans le niveau communautaire. Ça vient permettre à ce que nous frustrer et ça fait bon bout de temps, nous avons plein encore de gens pas jamais l'étendre. Et aujourd'hui, nous disons qu'il faut que nous baillons une chaleur. Effectivement, nous ne pouvons pas camper pour que nous répondions à nos revendications pour nous porter un maximum de satisfaction par la population nous-mêmes nous desservir là. Présence là aujourd'hui, tout d'abord, c'est que nous-mêmes vice-délégués et nous pas de jambes pour lever voix nous depuis que le président de la République là, il a assassiné le président de la République là. Et tout le monde connaît dans quelles conditions le président est mort. Et nous-mêmes, c'est représentants et président à travers l'arrondissement nous. Et nous demandons justice pour le président Jovenel. Et nous voyons que Jean Bagala pour aller là aujourd'hui et nous ne comprenons pas. Et dans le jour où nous venons, nous prenons la rue. Ce n'est pas le ministère qui vient camper. Nous prenons la rue parce que le président et joint justice. Et deuxième bagage qui mène nous là aujourd'hui, nous connaissons que nous avons le 14 août et nous avons un tremblement qui s'est passé sous zone Grand Sud. Et nous avons pile collègues vice-délégués, nous avons pile population qui est dans la rue. Et je pense que aujourd'hui, j'ai aidé pour aller. Et nous ne comprenons pas le ministère intérieur. Tout. Et jusqu'à présent, la protection civile va mettre nous au courant de comment ça y est. Et dans le sud, là, et nous venons là pour ça. Et la troisième raison qui mène nous là, c'est qu'en tant que vice-délégué, jusqu'à présent, nous avons parlé. Et ça a eu les payrolls mensuels. Et nous avons après 3 mois que nous n'avons pas touché. Et ensuite, nous avons gagné frais de fonctionnement et vice-délégation qui daté depuis 30 mois et que nous parvenions nous demander que aujourd'hui nous levons voix nous et pour PM Ariel ensemble avec tout le gouvernement penché sur cas et vice-délégation. Et nous avons concerté et entre nous, pas oublier, et l'autre pays d'Haïti, qui est vice-délégué dans le nord, qui est vice-délégué dans la Grèce, avec dit ensemble, nous avons gardé et nous avons gardé tout comme on va aller et aujourd'hui nous disons que nous mettons dehors.